This is Annabelle Gaberti, and you are listening to Lawfully Creative, my podcast to talk with professionals in the creative industries, to hear their stories, what inspires their creation, what decisions change their careers, what relationships influence their work. Today's episode is brought to you by Crefoli, our London and Paris-based law firm focused on advising the creative industries. Subscribe to our podcast Lawfully Creative or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please do leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you. On the 30th of December 2018, I went to Valoris in the south of France. So this is a town between Nice and Cannes. And Valoris is famous for its pottery and ceramic trade. And so I went to Valoris on the 30th of January to catch up with my favorite ceramist and potter of all times, who is Claude Aiello. So Claude has been practicing as a potter since a very, very tender age, and he's going to explain in the upcoming podcast how he got into the trade and how he also developed his skills and his ability to make absolutely marvelous and beautiful and stunning pieces of ceramic, which are literally artworks. So because we had to, this podcast is recorded in French, so I apologize for my only English speaking listeners, but you may have to sit this one out because this one is in French. To the other listeners who are fluent in French, I highly recommend that you hear the upcoming podcast. Thank you. Voilà. Je suis né en Italie, à Sicile. En Sicile? Oui. Avec des beaux yeux bleus comme ça, vous êtes sicilien? Comment c'est possible? Mon beau-père disait que c'est Napoléon qui t'a fait. C'est-à-dire? Parce que Napoléon était sur l'île d'Elbe. Allez trouver un Sicilien qui a les yeux bleus. Et puis le teint clair aussi. Oui. Et alors, c'est comment vous l'expliquez? Je sais pas. Ma famille. Faut que vous fassiez un test d'ADN. Voilà, oui. Ouais. J'en ai fait un l'année dernière, moi. D'accord, alors vous êtes dans Sicile, eh bien dites donc. Sicile, oui, je suis à 60 km de Messine. D'accord. Pour aller sur Palerme. C'est à Pati, la ville c'est Pati. Pati, d'accord. Ouais. Et en fait, si j'ai bien compris, votre famille était déjà dans la céramique et la poterie, n'est-ce pas, en Sicile? Mes deux grands-pères étaient des céramistes. Paternel et maternel? Paternel et maternel. Et. C'est une ville qui était proche de la mer, c'était ou pas? C'était Valoris, en Sicile, oui. Mais c'était pas une ville essentiellement de pêcheurs, alors? Ah oui. Alors, moi, je suis né, à vrai dire, à Marina di Patti. D'accord. Marina di Patti, c'est la même distance que Valoris ou Golfe Juan. Ok. Et moi, je suis né comme à Golfe Juan, voilà. Et donc, c'était près de la mer? Mais c'est la même commune, c'est okay. Pour ça. Ok. Et là-bas, c'était. Comme Valoris ici, avec que des poteries. C'est un endroit spécialisé dans la poterie. Oui, avec que des poteries à ce moment-là, dans les années 60. Quoi. Et on travaillait. Vous étiez dans les années 60, Claude. D'accord. Ok. Alors, moi, je suis né. Vous êtes né dans les années 60. Non, je suis né en 51. D'accord, ok. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en Sicile, ça marchait bien, comme ici à Valoris. On faisait beaucoup de culinaire, beaucoup de poterie utilitaire. Qui était après vendu où? Alors, en Italie, en Sicile, c'était expédié sur l'Afrique, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie. Pour les gens qui étaient riches et qui voulaient avoir des services venant d'Europe, c'était par un moyen de maritime, hein, de transport, en bateau,
et on expédiait là-bas. Et après, c'est arrivé les événements en 62, Avec la et il y a eu décolonisation? un frein, oui, il y a eu un frein énorme sur le commercial. En plus, ça fait que les fabriques, ils ont ressenti ça à plein fouet, quoi. Elles ont Ils ont fait, périclité, ah Apathy. ouais. Donc en fait, c'était un marché, votre marché Apathy, c'était pas pour l'Europe, c'était ou le continent américain, Ils etc. C'était travaillaient essentiellement pour aussi pour l'Afrique. l'Italie, pour d'autres villes, D'accord. mais particulièrement l'Afrique. L'Afrique. Donc une C'était grosse axé partie du sur chiffre l'Afrique. d'affaires était Voilà, en le gros Afrique. Eh, chiffre. parce que la Sicile, en fait, c'est quand même assez proche. C'est en face de quel Ah pays en ben, la Afrique? Tunisie, Ah, c'est en face de la c'est Tunisie. plus proche. C'est D'accord. peut-être la distance deux, trois fois D'accord. d'ici aller en Corse, quoi. OK. Tu arrives de Trapani, tu passes en Tunisie. Voilà, et ça, ça a été que mon père, il a perdu, enfin, son travail a ralenti, et puis après, il a eu l'opportunité, il avait une sœur ici à Valoris. Ralenti, excusez-moi, c'est quoi ça? Elle avait C'est. ralenti un Ah, ça tout avait. petit, D'accord, ça avait. oui, C'était en train de vraiment freiner, quoi. de freiner, Ouais, quoi. ouais. Voilà. Ma tante, elle a su qu'on cherchait un enfourneur ici, à Valoris, et a pensé à mon père. Votre papa, il avait son propre atelier, Non, il Apathy, était ou. ouvrier là-bas, Il était ouvrier, il était d'accord. ouvrier. Et Mais vos grands-parents, et vos deux grands-pères, ils avaient leur atelier ou ils étaient. non, il travaillait comme ouvrier. Ils Oui, travaillaient comme ouvriers, ouais. d'accord. Donc vous êtes entre guillemets, vous êtes la première personne dans votre famille à avoir son propre atelier. Oui, dans ma famille, oui, c'était. Mais par contre, mes deux grands-pères étaient tourneurs, hein. OK. Ils travaillaient. Mon père, il avait des notions de tournage, mais sa spécialité, c'était enfourner les fours à bois et les cuire. Les fours à bois, c'est quelque chose, hein, Ah surtout en ben, je Sicile. me doute. Hein. Hein. Ça doit être C'est dangereux en plus. rond, il faut Clairement, vraiment. ouais. C'est une Alors, spécialité. être tourneur, puisque les gens entendent le podcast, mais ils ne voient pas, Oui, bien comment sûr. dire, visuellement ce qui se passe. Donc, c'est en fait un tour, c'est-à-dire un espèce de bio qui est rond, que vous arrivez à faire tourner. Et grâce à ça, vous faites en fait des différents pots, des Voilà, vases, etc. C'est on ça, être un démarre à tourneur. l'aide d'un tour. Avant, c'était au tour à pied, en Sicile. Mes grands-pères, ils travaillaient avec le tour à pied. Moi, j'ai appris. Au début, j'ai débuté ma carrière sur le tour à pied. Mais après, nous avons des tours électriques et on prend une masse de terre, dépend ce que la pièce qu'on veut faire. Et à partir de cette. On la travaille au départ, on la met en boule et à partir de là, tu sors de la forme que voilà, Que tu es capable de faire. que tu es capable de faire. Exactement. Bah oui, parce que c'était pas donné à Donc. tout le monde de savoir le faire. Mais donc vous et votre famille, donc votre papa en tant qu'il y a une place à Valoris, qui est donc la capitale de la céramique en France, un peu Oui, l'équivalent de Pathy en. très importante. Ah oui, très importante, je suis Avant, d'accord. dans les années 60, c'était en plein boom. Hein. Valoris? Oh, Eh bien oui, parce qu'en plus il devait y avoir Picasso pas il y avait loin, Picasso qui Matisse. travaillait chez Madora. Figurez-vous, on disait la ville aux 130 boutiques. Vous imaginez le nombre d'ouvriers qu'il y avait. Moi, là où j'ai fait le contrat d'apprentissage, c'est chez les établissements Santa Alors, excusez-moi, mais avant Lamacchia. qu'on en parle, avant le Oui, contrat d'apprentissage, vous et votre papa et vos frères et sœurs et votre maman, vous venez ici quand à Valoris pour rejoindre alors, la mon sœur de père, votre père? il est arrivé à Valoris en 63, qui a eu cette D'accord. proposition de venir travailler. Il a fait l'essai Ok. et il est resté presque un an ici, tout seul. Et après, en 64, Vous êtes venu. elle a amené la famille et D'accord. puis on s'est installé là, quoi. Et vous aviez combien de Mais frères moi, et j'avais sœurs? jamais tourné à Cécile. Hein. Ah, d'accord. C'était Eh oui, jusqu'à parce que votre 13 papa, ans, il j'étais s'est à tourné. l'école. D'accord. Hein. Jusqu'à 13 ans? Vous avez arrêté l'école à 13 ans? Ah oui. Je parle, j'écris l'italien. Hein. Oui, c'est ma langue. Hein. C'était ma langue. Mais quand vous êtes venu ici en Je 64, parlais pas un mot de mais vous français. êtes allé à l'école quand même? Pas très longtemps, oui, je suis allé à l'école pour passer mon CAP, D'accord. Waouh, alors vous ne parliez pas français? mais non, Ça s'est bien ça a passé? été très 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 difficile, surtout pour mes parents, quoi, parce que, mais les enfants, ça prend assez vite, hein,
S'ils arrivent à suivre, oui. Oui. Et en plus, je lisais justement dans les différents articles sur vous, c'est que vous avez des responsabilités parce que vous étiez l'aîné de toute la fratrie Je quand suis même. l'aîné de 7 enfants, hein, C'est une grande famille. et mon père, il m'a dit, t'es un tel aîné, mais voilà, tu vas apprendre un métier, voilà, plus que... À ce moment-là, bah, il m'a laissé le choix d'apprendre le métier que je voulais. Je baignais quand même, je le voyais travailler. Là, vous aviez quoi, 13, 14, 15 ans? J'ai quitté à 14 ans l'école. À 14 Vous aviez ans, votre CAP et... on m'a fait un contrat d'apprentissage D'accord. et j'ai passé mon CAP à 17 ans, 17 ans et demi, voilà. Fabuleux. Et le contrat d'apprentissage, donc voilà, vous vouliez en parler, vous l'avez eu pour apprendre le tournage? Alors, moi, j'ai préféré, hein, c'est ce que j'ai suggéré, j'ai dit à mon papa, j'ai dit, écoute, ce qui me plaît dans la céramique, j'étais fasciné, j'ai dit, c'est un magicien, le type qui, devant moi, je voyais le char, j'ai dit, Sur le c'est tour, fabuleux, quoi, parce que qui crée cette chose de voilà, rien. là-bas, en Sicile, je voyais mon père travailler, mais je m'intéressais pas trop, Parce que quoi, lui, il était plus dans les fours, c'était Lui lui qui était dans gérait les la fours, température. voilà, Ouais. oui, c'est des fours à bois, il les cuisait et tout. Mais le tournage, ça m'a fasciné déjà d'entrer comme ça. J'ai dit, je vais apprendre le tournage. Et mon père, pour que il voyait que ça me plaisait, m'a acheté un toit à pied. Ah. Et on l'a mis dans la cave chez moi. Et puis, Donc vous étiez à Valoris, là, dans la ville, déjà, et aux Olives? Oui, dans le vieux Valoris, c'est là. Donc, à 17 ans, vous avez votre CAP en Oui, poterie, c'est ça, oui, CAP de poterie. On disait céramiste à l'époque, ou oui. dans les années 60? Céramique, Donc, céramique en général, hein, parce que Donc, on CAP de finissait céramique. les pièces. Au lycée Camus, je passais Qui est ici, qui est à à Valoris? Cannes, à À Cannes. Cannes. Très bien. Et qu'est-ce que vous décidez de faire après? Vous vous mettez tout de suite à votre compte ou... Parce qu'il y a, non, a priori, il y a à peu près une période de 10 ans, vous dites que vous étiez dans cet atelier du 9 rue Hoche à Valoris Oui, depuis 74. Donc, 74. entre la fin de votre CAP et 74, qu'est-ce que Eh bien, j'ai été ouvrier, vous hein, étiez j'ai ouvrier. été dans la fabrique qui m'a fait le contrat d'apprentissage. Moi, je D'accord. faisais 9e tourneur, il y en avait 8 devant moi. Elle s'appelait comment cette fabrique? Saltalamacchia. Saltalamacchia, Voilà. bien italien. C'était sicilien, lui aussi. Ah ouais? Et Aiello, ça veut dire quoi en italien? Ça a une signification? Non. Aiello. Non. Par exemple, du côté de ma Autant maman, il que. s'appelle Biagioli, qui veut dire petit Blaise. Ah, voilà. Biagioli. Mais à Aiello, non, je ne connais pas vraiment. Mais par contre, il y en a beaucoup, hein, Sicile, vous en À trouvez Aiello, il y en a tous beaucoup les en Sicile. 50 mètres, Bah, probablement à Pathy, oui. Ah oui, mais j'ai un ami, il est allé en Amérique, pareil, Aiello il y a d'Aiello. toute une page d'Aiello à Incroyable. Chicago. Eh oui, il y a eu beaucoup d'Italiens qui ont immigré, Ils ont ouais. Je me demande s'ils émigré, ont tous les yeux, des etc. beaux yeux bleus comme vous, tiens. Avec vos ancêtres normands. J'ai quitté les établissements où j'avais fait mon apprentissage et j'ai Saint-Alamaquin. eu une proposition chez un artisan. Il avait besoin d'un tourneur et je me suis aventuré là-dessus. Et puis voilà, j'ai été ouvrier de 18 ans, mettons, jusqu'à 23 ans. Ok, et donc à 23, 24 ans, 74, vous trouvez En cette... 1974, je me suis installé, À votre compte. voilà. D'accord. J'ai vu sur un des articles, parce que vous avez une grosse... enfin, je veux dire, Il y a beaucoup de voilà, il y presse. a Hein. beaucoup de presse, et c'est génial pour vous, vraiment Ah bravo, oui. sur votre savoir-faire et votre spécificité, que vous avez reçu le label Entreprise du patrimoine vivant. Vivant, Qu'est-ce ouais. que ça signifie exactement, ce terme? Comment vous l'avez obtenu? Ben, je l'ai obtenu par l'ancienneté du métier, hein, parce que c'est un des plus vieux métiers. Quand on voit les pièces qu'on trouve, qu'on arrive, je peux vous dire, une fois, j'ai un client qui est venu ici, il m'a dit, on m'a dit que vous pourriez me. J'ai une pièce qui est défectueuse, vous pourriez peut-être me l'arranger.
J'ai dit, montre-moi là. Il est allé, il m'a mis sur la table. C'était quoi? Une amphore. Quoi, du. Quand j'ai vu, ça. Mais c'est une antiquité? J'ai dit, attendez. J'ai dit, mais elle est vieille, cette amphore. Il m'a dit 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais il a trouvé ça comment? Cette deux est un plongeur, le type, mais répertorié, hein, elle était repertoriée. D'accord. Il a trouvé sous l'eau. Écoutez, ça m'a coupé le souffle. Je dis, c'est pas possible qu'il y ait eu un type qui ait fait ça le plein d'années en arrière, mais elle était parfaite. Waouh. Vraiment parfaite. Et vous êtes un professionnel du professionnel. Ah oui, et ouais, donc vous savez exactement ce que ça veut dire parfaite. À la limite, bien d'autres, je dis, mais attends, il dit esprit ou c'est une combine ou quoi, c'est pas possible qu'on ait. On a fait ça, elle était parfaite. Et ça venait d'où? D'ici ou du oui, dans la Méditerranée. Hein, mais vous avez pu lui réparer? Il n'a pas osé. Je l'ai interrogé, mais. Mais le mec, il a dit, mais de toute façon, c'est légal, je l'ai fait répertorier. Et il avait. Vous savez, ça finit en pointe. Il y avait le bout qui était cassé. Ok. Vous avez pu le réparer? Un peu, non. J'ai dit, écoute, même si j'avais possibilité de vous la réparer, vu l'ancienneté de la pièce, je ne remettrai pas la pièce. Ah, bah oui, parce qu'il faut la cuire. Non. Ouais, j'ai dit, je ne peux pas vous le faire. D'accord. Franchement, j'ai dit, passer par un restaurateur hein, qui peut. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça démontre bien que le métier de potier et de céramiste est un des métiers les plus anciens au monde, voilà. Et que donc en fait, ce label entreprise du patrimoine vivant, en tout cas, reconnaît les artisans qui exercent ces professions qui existent depuis si longtemps. En quelque sorte, ils font perdurer ce métier, quoi. Voilà, qui font perdurer ce métier. Et ce qui a beaucoup joué pour le patrimoine, et ont voulu savoir, j'ai appris le métier à mes deux frères. Ah qui sont devenus professionnels. Ils sont ici aussi? Alors, un, il est en Corse, il a travaillé à la Corse. D'accord. Et l'autre, il était à 10 mètres un petit peu plus bas. Là. Il y avait un atelier, bon, il a préféré, point de vue commodité, financier. Il n'avait pas le. Autant, moi, j'ai le sens plus créatif de chercher, de comprendre, de se mettre au goût du jour. Mon frère, ça, malheureusement, il dit, moi, je ne me sens pas capable. Toi, tu le fais, mais moi, je ne me sens pas capable. D'accord. Mais en tout cas, vous avez appris à deux de vos frères, sur les oui, sept oui, enfants, oui, vous avez appris à oui, deux de vos oui, frères ah à oui, venir. Oui, ils ont passé aussi le CAP ah oui, de poterie. Oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, et ça joue beaucoup, je transmets. Bon, ben là, actuellement, je donne des cours aux Beaux-Arts. Mais j'allais vous poser la question. Ou alors, des fois, vous prenez des stagiaires, des jeunes oui, ou... oui. Non, mais c'est l'école qui présente. Voilà. Donc, vous donnez des cours dans quelle école? Aux Beaux-Arts de Valoris. Fabuleux. Alors, par rapport à ce label. Tous les lundis. Tous les lundis, génial. Et ils sont intéressés, les jeunes? J'ai 15 élèves. Je fais qu'une journée, et puis ma particularité, c'est que il y a d'autres profs, hein, qui eux, ils font le débutant. Moi, je fais le perfectionnement. Ben ça ouais. veut dire que l'élève, déjà, chez lui, il a du matériel, il est dégrossi, et puis il peut faire une pièce, mais il éprouve des lacunes. Et moi, je suis là pour le corriger, dire voilà, tu n'y arrives pas parce que tu fais ça, tu fais ça. Il y a des garçons et des filles ou c'est... Cette année, j'ai 15 femmes. Non. Génial! Il y a plus de femmes! Ah ouais? Ah ouais? Et ça va de 18 ans, c'est une fille sicilienne, ah ouais. De 18 ans à... Et la plus ancienne a 84 ans. Ça, c'est incroyable. Bien pour. Parce que, il a dit, c'est une. Pour moi, c'est toucher la terre, c'est plus qu'un plaisir, quoi. C'est une thérapie. Mon père, qui est ingénieur, Charles Gauberti, a aussi, à sa retraite, il a commencé à exercer plus son hobby, qui est en fait de faire de la sculpture sur bois.
mais aussi la poterie. Et depuis qu'il est maintenant, il habite avec ma mère à Saint-Laurent-du-Var et donc dans le sud, il fait pas mal de poterie, hein. Ah oui, Ah, il fait pas ah mal de oui. céramique, Où ouais. Anis alors? Probablement, oui, dans un atelier ou Ah à Saint-Laurent-du-Var. à Mais Saint-Laurent, donc il oui. fait tant la Ouais, ben sculpture je sur dis bois ça que parce la qu'il céramique. y a une sacrée école aussi à Ah Nice. bon, c'est vrai. Ah Elle ouais. s'appelle comment? C'est la Villarson? À Non. Sorn. C'est ça, c'est la Ah Villarson. Ah oui, ouais, elle est mais là, super. c'est des diplômes Ah ouais. Bon, là, haut de c'est les gamme. beaux-arts, oui. Hein. Oui, non, là, il y a le loisir, c'est ce que je regrette parce que je suis là. Bon, moi, j'ai voulu transmettre, c'est pour ça. Et ça a joué beaucoup, hein, Mais patrimoine. c'est Hein. eux qui sont venus vous chercher le label de l'entreprise du Non, patrimoine non, vivant, pas c'est venu vous de qui vous l'avez demande. Et demandé. faut dire, Faire une candidature. ils vont faire une enquête, Ah! mais pas de ce que tu as marqué sur le papier. Ils ont envoyé une personne des arts, D'accord. et ils sont venus et ils ont vu comment je travaillais, tout ça. Ils ont fait Et tout l'enquête. ça, voilà. Fabuleux. Vous l'avez reçu quand, ce label de l'entreprise du En patrimoine du. 2010. En Ah! 2010, j'ai eu le prix Bettencourt, le Alors, on va y patrimoine. venir. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, Claude, s'il vous plaît, avec quel designer vous avez collaboré jusqu'à présent? Puisque vous avez donc ce partenariat très Alors, fructueux avec beaucoup de designers. le design, le contemporain, j'avais travaillé avant avec des amis en Corse, dans le bar. J'avais pied à l'étrier quand même, hein. Mais lorsque la ville a eu une très bonne idée de faire un programme et de mettre un atelier de céramique D'accord. et un designer. Et on faisait deux ateliers de céramique, deux designers tous les ans. Et on n'a pas fait la première édition, on a fait la deuxième édition. Et mon premier designer, c'était Roland Bourlec. Ça, c'était à Valoris, Pas hein? les frères Bourlec, Oui, c'est l'aîné, Roland. Roland, parce que son frère était encore à l'école. Il était jeune, hein, il sortait des. Ils ont 2 ans de différence, je crois. Ça, Et c'est à Valoris, ce à bar? Valoris, à D'accord. Valoris. Et alors, il venait avec la conservatrice du musée. Il était déjà très connu, Ronan Il Bourlec, à sortait des l'époque. Il sortait écoles. des écoles, non, c'était encore. Il avait passé un D'accord. examen, un concours à Paris qui a été bien placé. Je ne sais pas D'accord. s'il n'a pas eu le prix. Mais c'était tout à fait ses débuts, C'était en quelle quoi. année, ça? En 97, je crois, D'accord. qu'il avait fini. Il y a 20 ans. Et en 98, il est venu avec la conservatrice. Ils m'ont interrogé, qu'est-ce que je faisais, quel genre de forme je faisais. Et moi, j'étais encore pas mal dans la série, là. Encore. D'accord. Comme beaucoup de céramistes ici, à Mais j'avais Valoris. déjà pris le tournant, hein. Comme je vous répète, j'ai fait avec mon ami en Corse, Orsini. On a fait la devanture d'un immeuble. Hein, c'était le musée des archives départementales De Corse, d'Haute de Corse. Corse. Et c'est à Bastia. Et là, il a fait quelque chose de. Là, c'était en 86. 86. J'ai pris conscience qu'avec le tour, on peut faire autre chose que la série, quoi. Que la série, c'est bien, parce que ça m'a permis, je rejette, Ça sent je bien aussi vous la assure, série. ah oui, je Ouais, ça vous sent assure, bien. je rejette pas tout ce que j'ai fait au début, au contraire, ça m'a appris à faire la vitesse, la régularité, c'est formidable au début quand tu fais ça. Mais après, avec le tour, on peut faire autre chose. Plus créatif, plus C'est stimulant. plus stimulant, et puis, et là, ça, en Corse, ça m'a appris, j'ai dit, on peut faire vraiment, c'était merveilleux, Donc, à la merveilleux. différence de la série, là, ça devient des pièces uniques. Ça C'est vient, ça, hein? tout est, voilà, Série, pièce comme unique. les designers, chaque pièce, c'est une pièce Pièce unique, unique, oui. hein, oui. D'accord. Même si tu l'as fait un, deux, trois fois, un exemplaire, mais ça reste quand même une pièce unique, presque. Donc, vous rencontrez Ronan Bourlec avec la conservatrice en 1998. Est-ce que Voilà. c'est de cette rencontre que naît Torique, la collection Torique des Bourlecs? Alors,
Rona, il est venu avec des croquis. Il avait fait des croquis chez lui. Et puis, par exemple, la bouteille, je vais par là. La lampe à huile. Non, la bouteille avec le petit bec, là, on verse en haut et avec le petit bec, Ah oui, ça je l'ai aussi, ça. on vide, Pardon. ouais, la Oui. bouteille, etc. Voilà, on l'a mis au point ici parce que le dessin, il était, mais un peu aléatoire, quoi. Et après, La bouteille, vous la faites autour aussi? Ah oui, tous les modèles de Ronan, ils ont été faits autour. Et là, on a pris un plaisir fou. On devait faire 7 modèles différents, multipliés par quatre exemplaires, Pour parce chacun. qu'il y en avait un pour le musée, un pour la drague, un pour le designer, un pour moi. Et là, je sais pas, c'est aux arts contemporains. Enfin, et ça, c'est un. On était tellement emballés que lui, c'était merveilleux de voir. Et le dessin, je voyais le soleil Qui arriver. sortait. Ah oui, il Oh! avait du feedback presque Ah! instantané par rapport à son idée, son Et ça lui donnait conceptualisation. des idées pour le modèle d'après D'accord. ou faire. Et c'est un garçon admirable, Ah voilà. oui. Lui et Il son frère, ils sont est. incroyables. Et c'est. Oui. Et ouais, je le connais beaucoup moins, enfin, je le connais en amitié comme ça, mais il n'est jamais venu travailler avec moi. Mais Ronan, on était parti pour, comme je vous dis, pour 7 modèles différents. On s'est arrêté à 12, 14, Ah, c'était tellement appréciable, pratiquement. que. Il est resté combien de temps ici pour faire tous ces modèles? Ah ben, il est venu au mois de novembre, on a fait le vernissage en juillet, vous voyez, il venait Il faisait des une allers-retours. fois, 2 fois, voilà, dans le mois ou quand c'était nécessaire, Et il quoi, passait je veux combien de dire. temps l'atelier avec vous? Combien d'heures? Ah, il restait à chaque fois, il arrivait le vendredi, il repartait le dimanche soir ou Et vous aviez bossé tout lundi le week-end? matin. Ah oui, Ah ouais. c'est moi qui l'ai demandé parce que. Le week-end, j'avais trop de, vous voyez bien, j'avais des clients La et je ne semaine, pouvais la semaine. pas la semaine. Ouais. Et le vendredi, on était tranquille, on faisait travailler, mais j'ai gardé un souvenir. D'ailleurs, je le rencontre des fois à la remise des prix à Bettencourt. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse une connexion ensemble. Ah ben là, il faut lui envoyer une petite carte de vœux en disant, Mais il a dit, Ah, mais je suis toujours, c'est vrai, il est toujours 90 ans, le terrain est international, Ah connu. oui, effectivement, maintenant, les Brulets qui sont extrêmement bien réussis. Ils ont du monde, hein, même il a un bureau avec une personne. Hein. Comment? Il a un bureau, Ah oui, c'est vrai. C'est oui, c'est rue alors. du Buisson, je ne sais quoi, un truc comme ça. Oui. Bon, alors donc en fait, alors moi d'ailleurs, c'est grâce à la collection Tori que je vous ai rencontré parce que Oui, j'avais acheté c'est le vrai, bouquin c'est vrai. des Bourrelec et qui présentait cette collection. Je dis, C'est tiens, ils ont fait du correct, ça. travail avec Oui. un potier de Valoris. C'est comme Oui, ça qu'il y a à peu près probablement 10 ans, je suis ouais. venue vous voir et j'ai commencé C'est à vrai, vous acheter je me certaines rappelle, pièces je me rappelle. que j'ai tout à Londres maintenant. Et suite à cette excellente première collaboration donc avec Ronan Bourrelec, qui a été fructueuse tant pour lui que pour vous au niveau créatif, comment est-ce que ça s'est enchaîné avec les Pierre Charpin, les Mathieu Lehaneur, Ah etc., ben, etc. il y en avait l'année où j'ai travaillé avec Bourrelet, il y avait le designer de Saint-Étienne, François Baucher. OK. Et François Baucher, c'était deux designers, deux ateliers différents. François Baucher, il avait travaillé avec Musara et Ronan Bourrelet avec moi. La première édition, parce que nous, c'était la deuxième, c'était Martin Zekely. Ah oui, aussi très connu. Et Vous avez travaillé avec Martin Zekely? mais après, plus longtemps après. Et Olivier Gagnaire. Olivier Gagnaire, sorti Maximaliste. et là, j'ai fait toute une collection après, mais bien plus tard. Là, dans le programme des designers,
Et Qui était donc. eux aussi, ils avaient 7 modèles à faire, multipliés par 4, voilà, Et quoi. donc, ça, c'était organisé par la ville de Vallauris. Et la DRAC, Et la DRAC. La DRAC qui signifie. la Direction régionale des arts contemporains. Ah, fabuleux. Ah, ben c'est bien ça. Donc, Et c'est eux qui ça, vous ont aidé à être avant, c'était en contact avec Joseph. Dominique Forest et Françoise de Châtel qui dirigeaient la DRAC, d'ailleurs. D'accord. C'est grâce à ce livre-là, il n'y aurait jamais eu le programme d'ailleurs. Ça a périclité après Et qu'ils soient partis. ça, c'était fabuleux, deux femmes extraordinaires. Effectivement. Et donc, Monsieur Bourrelec, après Monsieur Zekeli, mais là vous n'avez pas travaillé tout de suite avec Non, Martin Zekeli, c'était plus tard. plus Vous, tard. la deuxième année, vous avez travaillé avec qui? Avec quel design? Ah oui, donc François, François, vous disiez François Bourret ou Boulet de François Saint-Étienne, Baucher, Baucher de mais il avait Saint-Étienne. travaillé avec l'atelier Musala. Ah pardon, d'accord. C'était deux ateliers Donc c'était qui différents. après Bourrelec? Après Bourrelec, c'était Ruyant, Frédéric Ruyant. Frédéric Ruyant, d'accord. Voilà. Basé à Paris? Et, non, ma, oui, il est Il est à basé à Paris, Paris. d'accord. Il a fait une belle collection aussi. Je sais pas si je l'ai. Vous l'avez pas, À le Frédéric Ruyant, curieux? je ne le connais pas, Ouais. non. Il avait Frédéric Ruyant, et normalement il était destiné à travailler avec quelqu'un d'autre. L'artisan, il avait son tourneur, c'est pas lui qui tournait. Il était à la merci d'un tourneur. Le tourneur, il venait pas, il empêtait les plans à Ruyant. Il a dit, écoutez, moi je viens de Paris, je veux pas, quand même. Alors, Bah c'est bien, tant mieux, c'est pour ils vous, c'est sont une venus me opportunité pour voir pour vous. dépanner, dire, est-ce que tu peux faire une pièce? Ouais. Oui, je te la fais. Et quand Lorient, il a vu la pièce, il a dit, non, tu peux lui dire que je ne vais plus là-bas. J'ai dit, oh, je ne veux pas d'histoire, moi. Avez fait combien de pièces avec Monsieur Ruan? La même collection, sept Sept pièces, pièces, d'accord. ouais, D'accord. des plats, Et une très belle comment s'est collection. passée la. Comment s'est passée la. Merci Claude de nous expliquer tout ça. Comment s'est passée la rencontre avec le Hanneur? Parce que Mathieu Le Hanneur est vraiment Alors, devenu de plus en plus après, important. vite fait, après Ruyant, c'est pareil. Florence Dolliac travaillait et faisait partie des rallye designers. Ok, enfin une femme designer, c'est bien ça. Comment a-t-elle Mais les écrasé? rallye designers, c'est un groupe de 4-5 designers ensemble, dont Florence Dolliac, qui était avec son mari, je ne me rappelle plus. Enfin, bref, et travaillait avec la poterie d'Amélie, qui était dans la zone industrielle là-haut. Et ils ont fait la boule avec les anses, vous savez, Ah le oui, vous étiez, porte-fruit, oui, le ça. porte-fruits, oui. Et Et il est très donc, bien votre compte Instagram, vous en avez mis beaucoup des c'est poteries ma fille, elle m'a de dit, madame. Eh bien, c'est très bien. Ah, mais Instagram a l'air fou. tu fais toutes ces pièces, tu sais Elle a eu tout pas à où fait tu. raison, votre fille. Et il a dit, au fur et à mesure qu'il passe dans ma main, parce qu'elle a des bouquins, hein, il a dit, je vais petit à petit, je vais les mettre, pourquoi? C'est très bonne idée. Même les designers, ils disent, oh, Claude, qu'est-ce qui te prend? Parce que moi, ça me. Les réseaux sociaux, c'est vrai, j'ai pas le temps, hein, de m'occuper de tout ça. Enfin, bref, la poterie d'Amélie, ils ont fait le vernissage et malheureusement, elle a fermé. Ah. Elle a failli. Définitivement. Ah, ils ont fermé. Alors, Laurence, un jour, elle m'a téléphoné, elle me dit, Claude, ça te dérange pas de. Ah, j'ai dit, j'aime pas. Tu me demandes quelque chose, j'aime pas passer derrière parce que. Ça crée une jalousie, même Bah, s'il ne te le ils avaient démontre fermé. pas, mais je le vois, hein. Même à l'école, c'est pareil. Et j'ai dit, mais non, mais ça risque rien, de toute façon, ils ont fermé complètement. Et c'est Ouais. elle qui m'a appelé, bon. Et il dit, et ça m'embête parce que c'est resté à l'état de prototype. Mais il dit, la galerie, elle attend Donc sur les pièces. que de sortir. Et c'est de là que. Il m'a dit, allez, vas-y, fais-le.
Vous avez fait des Et j'ai changements, travaillé. Claude, sur le prototype ou Oui, vous avez laissé tel que... je l'ai façonné à ma... Parce qu'ils avaient fait les anses trop fines. Je l'ai fait pour que ce soit quelque chose de costaud, quoi. Agréable à l'œil, mais quelque chose de solide. Et j'ai fait une belle collection. Et curieusement, j'ai vu que Florence, elle avait l'intention de... Chaque fois, de grandir sa famille. C'est avec elle que j'ai fait le plus grand nombre de pièces. D'ailleurs, vous disiez qu'elle a une collection qu'elle a appelée La Famille, avec La le père, famille, la ça mère, s'appelle le parrain, la le famille. Alors, cousin. le neveu, j'ai toute une liste. Faudrait que je rassemble tout ça, quoi. Voilà, mais ça fait vraiment plaisir, quoi, voilà. Et ça, c'était. Et après, les autres designers, c'était de bouche à oreille. Monsieur Xegeli, Monsieur Lehaneur. Voilà. Là, c'est une galerie qui me l'a présenté. Elle voulait faire une grosse jardinière, mais là, Wow. c'était complètement démentiel, quoi. Autour en plus, faire une Ah jardinière oui, non, autour. non, c'était. On n'a pas trouvé la terre qu'il fallait, mais enfin. C'est un excellent designer. Là, Qui, c'était Monsieur Lehaneur? Martin Martin Ezekiel. Zekeli, oui, d'accord. Et c'est qu'en 2010 qu'il s'est présenté, m'a téléphoné déjà. Il m'a dit, hello, je vous connais parce que vous avez travaillé avec Renan Bourlet, que j'ai vu vos pièces, j'ai vu plusieurs vernissages ici. Et dit, j'aurais une proposition à vous faire, un travail. Il dit, est-ce que vous l'acceptez que... Ben, j'ai dit, envoyez-moi-le, hein, les pièces. J'ai dit, je l'ai appelé l'après-midi, j'ai dit, mais vous avez l'idée de boulot, c'est la pyramide des âges. Ah, c'est Zekeli qui fait toute la Non, pyramide des âges. c'est Mathieu Lehaneur. Ah, pardon. Ah, voilà, Je c'est suis ça, à c'est Mathieu Mathieu Lehaneur, Lehaneur. Ah, c'est ouais. lui qui vous a appelé, d'accord. Parce que Zekeli, c'est par l'intermédiaire d'une galerie. De Par contre, galerie, voilà. Mathieu Lehaneur, Mathieu c'est lui qui vous a Lehaneur, appelé. c'était son bureau C'est qui lui était qui a venu. fait la pyramide des Ah âges en oui. Japon, aux États-Unis, en France, etc. Mais il dit, pourquoi? Je dis, mais vous avez vu le boulot qu'il y a? Je dis, pourquoi vous dites ça? Parce que je suis incapable de sortir un devis. C'est impossible, on ne peut pas voir le boulot que c'est. À ce propos, Claude, si je puis me permettre, justement, en général, quand vous travaillez avec tous ces designers, eux, c'est comme si vous utilisez, entre guillemets, en tant que fabricant sous-traitant, enfin, peut-être pas sous-traitant, mais enfin fabricant de leurs pièces de design. Fabricant, ah Donc, vous oui. leur faites des devis et après, Ah ben donc, oui, vous ben les oui. facturez et eux, après, ils vendent par l'intermédiaire de leur galerie, de leurs Ils intermédiaires. choisissent la galerie, Voilà, ils me d'accord. présentent une galerie, ils disent, tu l'envoies là, la D'accord. pièce, mais moi je suis obligé. Mais Au bien sûr, départ, bien sûr. vous voyez, c'est des peines de terre comme ça. Wow. Pour faire la pyramide là du Japon, Ouais. j'ai pris 5 kilos de terre. 100 kilos. Vous 100 kilos. imaginez? Mais attendez, vous ne l'avez pas fait autour, ça, quand même. Oui, Vous l'avez fait autour. j'ai fait autour. Mais vous n'avez pas pu mettre 100 kilos sur votre tour. C'est trop. Non, on fait, Petit à vous petit. voyez, ça c'est le corps, hein, de la pyramide du Japon, ça. Pourquoi est-ce qu'il est coupé en deux? Ah, je l'ai fait pour l'école. Vous voyez, regardez. Ça c'était Superbe. Oui, parce que les franchement, c'est une cinq de vos pièces les pyramides. plus connues, ça. Hein? Oui. C'est Ah une de vos oui, pièces non, les mais plus connues, les pyramides. ça c'était l'exposition, les cinq pyramides qui m'avaient commandé. Et la première pyramide que j'ai faite, ça a été le Japon, parce que j'ai jugé que c'était une des plus complexes, les plus difficiles, c'est la C'est première, ça, oui, au fond. ils ont quasiment pas d'enfants qui naissent, donc elle est très petite sur sa base. Voilà. D'accord. Alors, vous avez le Japon, après vous avez... Mais en haut, par contre, le bouton, c'est 100 ans et plus. Oui, Et c'est le plus gros de toutes oui, les tout à fait. Ils pyramides. Hein. ont énormément de centenaires, Parce que notamment grâce à regardez, l'Ikigai. regardez, regardez. Ouais. Ça, c'est les USA, ça, c'est la Russie. D'accord. Par contre, le Japon, il Et fait ça, c'est ça. qui, ça? Donc, la pyramide des L'Égypte. âges de l'Égypte. Ah ouais, donc énormément d'enfants. Waouh. Ah OK. Et ouais. ça, c'est l'Europe, ça, c'est la France? Ça, c'est la France et ça, c'est le Et ça, Japon. c'est le Japon avec énormément de centenaires, mais une petite Voilà. pyramide, une petite base parce qu'il y a peu d'enfants qui naissent. Mais c'est très Voilà. intéressant, hein. Alors, ça, c'est le corps. Vous voyez, on la voit là. Regarde. Oui. Il n'y a que le couvercle.
Et pourquoi est-ce qu'ils ont cette partie-là où il y a beaucoup de, encore Il de y a armes? un retour, parce que ça, c'est la guerre qui a eu la bombe atomique là-bas, qui a eu énormément les naissances, et il y avait Donc y là, a un ça fait une grosse. ralentissement, Et après, c'est voilà. revenu. Ouais. Voilà. Oh, waouh, c'est Quand il y a fascinant. un retour net, ça... Mais comment est-ce que vous faites? Je veux dire, vous faites ça à l'échelle? Enfin, vous faites ça à l'œil? Avec un plan, non, j'ai un plan Vous au avez un. millimètre près. Au millimètre près, vous faites Et ça? ça, regardez, ça c'est des strates, il n'y en a pas une pareille. Non, mais non, justement, je sais. Donc vous faites ça au millimètre près, Alors, autour. moi au Mais départ, c'est un travail de conception incroyable. au départ, je me suis dit, bon, ben, je vais me faire des gabarits, mettons pour le couvercle, pour faire cet angle-là. Avec le plastique, j'ai fait des gabarits et tout. Mais les gabarits, on ne peut pas le faire parce que quand tu passes à la strate Au-dessus, au-dessus, oui. ça te déchire celle d'en bas. Et qu'est-ce que vous voulez dire par gabarit, Un excusez-moi? gabarit, vous savez que pour aller plus vite, quoi. D'accord. Et vous ne pouvez pas aller plus Alors, vite, là. C'est pas possible c'est pas possible. de. Alors, il a fallu que je me aiguise des outils exprès. C'est pas Et vrai. avec un outil, je les faisais une par Une une. par une. Ouais, Mais c'est je fou. mesurais la hauteur parce qu'il fallait en rentrer, pas 99, pas 100. Il y avait 100 D'accord. strates Il y a 100 strates pour chaque pyramide des sur Maya. chaque pyramide. Et pourquoi vous avez choisi la couleur noire, hein? Enfin, Parce qu'il a ou préféré le plus noir. foncé, Il il a a dit préféré que le noir. ça ressort le D'accord. mieux. Voilà. Donc ça, c'est Mathieu Lehaneur qui a fait le Voilà. choix. Et D'accord. quand j'ai. On Ça, a c'est les mis. pyramides des âges qui datent de quelle année? Vous savez de 2010, 2010, donc a je priori, les ai c'est pas faites assez. en 2009, Donc quoi. Hein. c'est les données de 2009-2010. Non, 2007. 2007. D'après Ça a peut-être changé depuis, les disons, plus tard. statistiques de l'INSEE, hein. En C'est pas 2007. inventé par Ah non, Mathieu. Hein. bien sûr, bien sûr. C'est 2007, Vous savez tout, pourquoi tout. est-ce qu'il a décidé de faire ces pyramides des âges? C'était quoi l'idée derrière Mathieu Parce que Lehaneur? Mathieu travaillait, il faisait un travail d'achassement, je ne sais pas, à la galerie, ça c'est la galerie des Semiyake, à Paris. Et on Semiyake. voit les habits encore derrière. Ah Et ça oui. c'est le podium Oui, Claude de est en train de nous montrer donc des photos Mathieu. des cinq pyramides des âges et derrière effectivement qui se trouve donc dans la Voilà. En galerie, le 2010, on magasin les a exposés à la Semiyake à Paris. gare Semiyake. D'accord. Voilà, et je sais pas, il en a parlé à Séniaké, du fait que c'est là que l'idée de Elles Mathieu, y sont toujours dans la galerie et c'est, Semiyake? non, 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 on a juste fait le vernissage, D'accord. C'est normal que le Japon y était, alors mais maintenant je après, comprends mieux. voilà, là on arrive à comprendre pourquoi, bah. Mais enfin, ça a été une sacrée aventure, Ah hein. oui, clairement. Les Au cinq, millimètre près, c'est incroyable. c'était féerique, et là c'est dans l'atelier, là, je vous assure. Et là, donc, vous l'avez coupé pour quelle raison? Je vous pose la question. Je l'ai coupé pour l'école. Ça J'ai vous a dit pris combien de temps, ça vous prenait combien de temps pour faire une pyramide en général? un mois, il y a un mois de travail. Ah, donc le soir, vous pouvez arrêter votre tour, laisser Ah oui, il reposer y et a un après temps vous de reprenez. séchage, il y a D'accord. de pendant que ça sèche, tu fais autre Donc un chose. mois par pyramide. La pyramide. Ah Donc oui, 5 à j'ai 5-6 mois pour. commencé. J'avais commencé septembre-octobre. Mais les cinq, on a fait le vernissage au mois de. On a présenté le Japon, on l'a présenté à la Biennale de Valoris. Il a eu le prix. Félicitations. Et les trois autres, Mathieu a voulu les présenter au prix Bétancourt. Ah, très bien. Et donc ça, c'était en 2008, n'est-ce pas? En 2010. Ah, pardon, en 2010. 2010. D'accord. 2010. D'accord. Est-ce que vous Mais dites... l'idée, elle a commencé, du moins, l'idée, Mathieu l'a eu en 2008. La D'accord. première. Ah oui, parce Après, que la prochaine était mais en avant pleurs. moi, il avait été voir Et tout le monde avait dit non. trois, quatre, il a dit, on fait pas ça en céramique. Ah ben, est-ce que vous direz que, est-ce que vous Mais ça a diriez, été un challenge voilà, est-ce que c'est le que. challenge le plus, techniquement le plus dur que C'est vous le ayez relevé? challenge. J'ai dit, j'ai jamais fait une si grosse pièce.
Je veux comprendre, mais je ne dis pas que je veux vous le faire. Je vais essayer de le faire. Si vous me permettez, on va faire un petit modèle pour me rendre compte D'accord, de boulot qu'il y a. c'est une maquette. Et après, je me lancerai. Puis, mais malgré tout, pour moi, ça a été. Ça m'a hanté pendant des nuits. C'est vrai, ça me crée du Comment stress. je vais faire? Et Vous y êtes casser. arrivé, hein? Vous y êtes Et arrivé. quand elle était dans le four, je vais ouvrir le four. Ah, le Et stress que ce soit j'ai cassé. vu qu'elle était cassée. Il y avait un morceau qui était contre la paroi du four. Là, Donc c'est un mois de travail de perdu. alors j'ai refermé la porte du four. J'ai repris les clés, j'ai fermé l'atelier, je suis descendu au golf, je me dis, quelle galère! Comment je vais faire là? Donc en fait, il vous a pris un peu plus que 5 mois le Ah, projet, il vous a pris un précis mais j'ai 7 dit, mois là, mais quelle galère je six me suis épisodes. mis là-dedans! Et puis finalement, Mais alors dites-moi, il y en a combien des pièces là, des 5 oui, c'est ça, des 5. C'est des pièces uniques? Et il n'y en a qu'une dans le monde Ah, il y en pour chaque a, pièce? Il n'y en a oui. qu'une dans le Il y monde. a que le Japon, il doit y en avoir deux. D'accord. Elles ont été vendues ou elles Parce qu'il sont... y a, ah oui. Après, Elles sont vendues à des collectionneurs ou c'est... il y a la France, elle a été faite deux, trois fois. D'accord. En tout des pyramides, j'ai dû en faire une vingtaine. Ah bon, En d'accord, tout, ok. en tout. Donc à chaque fois, c'était... Mais j'ai exigé les grandes, j'en ai fait en tout. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la Suède. J'ai dû en faire 7 ou 8 des grandes. Par contre, j'ai exigé, enfin, j'ai exigé, j'ai dit, attends, je me suis déplacé de bassin, hein, parce que 100 kilos, il faut les amener au four. Hein. Et puis, il faut la loger au four. Et puis, quand c'est émaillé, vous avez vu, c'est ma poudre Déjà, comme tu te ça. dis, est-ce que ça va rentrer dans le four, hein, dans le grand Là, truc dans comme le grand ça? four, ça rentrait. Ouais. Et J'avais puis s'il y a tout plus. seul, vous déplacez 100 kilos tout seul, comment Oui, c'est non, possible? je me faisais Mais aider t'es par mon complètement... frère, tout ça, mais quand tu es devant la porte du four, Ça rentre pas. tu es tout seul, quoi, à le Oh! pousser. Et ça, j'ai dit, mais là, il faut faire une taille en dessous, hein, pour D'accord, travailler d'accord, avec 50 kilos de terre. d'accord. Il a accepté et on a fait une taille en dessous, quoi. Est-ce que vous direz que ces pièces, donc de la pyramide des âges, commanditées par Monsieur le Hanneur, c'est techniquement le challenge le plus important qui vous a été donné dans votre carrière, De loin. de loin? De loin. Ce n'est pas des pièces les plus difficiles, hein, parce que, si, c'est difficile, parce que c'était la première fois que je travaillais avec autant de matière, autant, de cette précision. Et puis, après tout ce raisonnement-là, il y a les contraintes de cuisson, la terre sur le tract. Tu poses les mailles, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut surmonter. Donc à chaque fois, vous avez dû faire plusieurs Ah essais. oui, Oui, il faut faire l'essai avant de t'aventurer, c'est pas le tout, hein, parce que sinon tu ne réussis pas. Hein, et ça a été un casse-tête. Mais enfin, de loin, ça a été un véritable challenge, quoi. ouais. Hein, Que vous avez surmonté, d'ailleurs, grâce à ça, vous avez que... gagné le prix Bettencourt, n'est-ce Et pas? vous savez, Annabelle, je me suis rendu compte quand j'étais chez Issey-Miyake, les Oui. cinq pyramides sur le podium. Oui. J'ai dit à ma femme, tu sais, là je prends vraiment conscience que j'ai fait un sacré travail. Ah ouais, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre que vous avez fait. C'est parce que avant, et j'étais tellement Mais je stressais du matin au soir. Comment je vais faire pour faire ça? Chaque étape, il fallait que je. Ah oui, après, je me suis fait livrer un chariot Je le hydraulique. vois là, le vert. Ah oui, Ouais. sinon, je dis, j'arrête. Et j'avais trop forcé là-dessus parce que. Physiquement, ça vous a vraiment Ah impacté? oui, ça m'avait. J'avais un déplacement de bassin Ah, parce c'est pas cool. que je relevais trop de poids. Ouais. Et moi, ma santé ne me permettait pas. Non, en fait,
C'était un plaisir, quoi. Quand tu vois que tu sors des pièces comme ça, Bon, je pense qu'il n'y a pas un potier, enfin un céramiste au monde qui a fait oui, une il avait telle fait chef-d'œuvre que ça. d'autres céramistes, dont ici dans la région aussi, et ils ont Décliné. dit non. Mais moi, je me répète, je n'ai pas dit je vous le fais, je lui dis je vais essayer de le faire, hein, on va voir. On va voir comment c'était. Vous avez aussi travaillé avec Pierre Charpin, si je ne m'abuse. Non, pas moi, mais À part. un collègue à moi, un Ok. collègue qui est. Oui, il a fait un beau travail aussi, Il y a Pierre d'autres Charpin. designers avec qui vous avez établi des relations proches, dans le cadre d'une collaboration avec eux? Ah, mais j'ai travaillé avec. Il y en a un paquet, hein. Ah ouais. Il y a David Dubois, Ah oui, David Dubois. il y a. Vous m'aviez gentiment donné une pièce de David Dubois Laurent, que j'ai ouais, toujours dans mon appart de Paris. il y Merci. avait Laurent Nicolas, il travaille chez Vuitton, Très bien. des grands, 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 grands messieurs, vraiment de design, mais comme Laurent Nicolas, il a pas le temps, il est pris dans son boulot, mais sinon, il est venu, il a dit que c'est super ce que tu fais, Ah quoi. oui, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, Claude, vous direz que vous êtes un des seuls designers à Valor... pardon, un des seuls céramistes à Valoris qui, justement, a développé cette espèce de niche de travailler avec des designers? Et est-ce que vous faites toujours de la série ou vous ne faites plus que des pièces Non, je fais uniques? plus de tout de série. Que des pièces uniques. Oui, que des pièces. Là, comme le designer textile, là, ça fait deux. Ben, elle n'est pas pressée, je veux dire, mais c'est au moins 2 ans. Là, il y a une création, mais alors, C'est une dame? oui. Et à chaque fois, les émaux. C'est un designer textile. Elle a une formation aussi de coloriste. Alors, elle veut mélanger ses émaux, elle veut. Pour obtenir, personnaliser plus la couleur, quoi. Mais la désagréable surprise, c'est que le mélange de couleurs, c'est pas le mélange avec le tissu. Oui. Après, on est à la merci du feu et pourquoi c'est sorti? Elle est Alors, française. elle recommence, Elle est oui. française. Je me demandais au niveau côté business, parce que maintenant vous dites que vous faites plus de séries, vous faites que tout ce travail de pièces uniques. Unique, Est-ce que vous êtes représenté par une galerie vous-même, Claude, ou alors est-ce Non, que vous avez un j'ai agent, ou pas. est-ce que votre femme, par exemple, gère les affaires business, ou comment ça? Non, j'ai Parce qu'il faut que ça pas. rentre quand même pour faire payer les factures et. Oui, bien sûr. Mais c'est le designer qui me passe commande. D'accord. Et d'après Contrat de commande. le temps que je passe, d'après la difficulté dans la pièce, il y D'accord. a des émaux qui coûtent très très cher, Au un niveau de sac la de matière maille. première. Hein. 500 euros à l'aise, voilà, il faut en tenir compte de ça. Attendez, les émaux, c'est que ça veut dire quoi? C'est la couleur C'est que l'on la va poudre, passer, la poudre. La poudre à 500 euros. oui. Elle vient d'où? Un sac d'émail, non, on travaille avec c'est pour vous dire, un produit qui est assez cher, donc on est obligé, à la fin du travail, de dire, voilà, l'addition, c'est ça, c'est Et en tant. général, ces designers, est-ce qu'ils se font, ils financent eux-mêmes parce que ça peut être un budget, ou alors est-ce que c'est leur galerie qui le Certains, produit? C'est ça, hein, c'est la galerie qui produit, n'est-ce pas? s'ils préparent une collection, souvent c'est pris en charge par la C'est ça, galerie, qui avance. mais la galerie exige l'exclusivité. D'accord. On n'a pas le droit de les vendre ailleurs. Le designer n'a pas le Voilà. droit de vendre Après, ailleurs. si le designer vient en nom propre pour lui, à ce moment-là, il finance le modèle, mais D'accord. voilà. J'ai vu sur votre compte Instagram qui est super, hein, donc c'est @ClaudeAiello que votre Oui, fille vous a aidé à mettre en oui. place. Et c'est très bien, franchement, continuez parce que c'est Ah vraiment ouais? super. Ah moi je vous suis, hein, je vous suis sur Instagram. Et j'ai vu que vous étiez donc allé À à Venise Venise? en Ah ouais, septembre. quel beau N'est-ce souvenir. pas? C'est beau comme villa. Pour, pour, Vous pour. êtes retourné en Puis Italie? elle est exposée, la pyramide, elle était exposée parce qu'ils ont. C'est la propriété de le Japon. Il a eu le prix de la Biennale, c'est devenu Valoris. la propriété de la ville. D'accord. Et la ville, elle a prêté la pyramide, mais là-bas, D'accord. il avait mis au milieu d'une cloison. Alors il y avait le trois quarts d'un côté et un quart de l'autre côté, c'était Ah. éclairé, c'était
Comme les Italiens, ils savent le faire. Hein. Ah oui, ça, c'est vrai qu'ils sont très très bons en design, les Oh Italiens, ça, là absolument, là, comme non. vous. Donc, justement, vous êtes allé à Venise dans le cadre de l'exposition des lauréats du prix Liliane Bettencourt, donc de la Oui. famille L'Oréal, pour l'intelligence de la main. Donc, si j'ai bien compris, il y a une fondation Bettencourt, Schuller, si j'ai bien compris, qui a Oui. créé en fait ce programme pour Oui, c'est Madame l'intelligence de la main, Bettencourt, mère, qui qui est avait décédée maintenant, créé. n'est-ce pas? Oui, Elle est décédée il y a oui. il y a peu. Et qui avait créé en 2009, je crois. D'accord. Il avait créé le. Non, 2010, nous, on a fait la première édition. Ah. Le prix Bettencourt, il y en a un tous les ans. Tu présentes soit une pièce, soit n'importe quel métier, même des peintres, hein, ils peuvent présenter. Et on attribue un prix Bettencourt tous les ans. Fabuleux Par et un jury, très prestigieux. c'est la crème des arts, hein, de Du Paris. design et du design, d'accord. Et Madame Bettencourt, parce qu'elle a toujours aimé le travail des artisans, pour elle, c'est l'artisanat. D'abord, elle a dit en 2010, quand on a eu le prix, Ah, vous avez eu le c'est prix en elle. 2010, Ah oui. oui, elle a ouvert, c'est elle qui a ouvert la soirée. Elle a dit pourquoi j'apprécie énormément l'audace de l'artisan, parce que quand j'étais petite, mon père il m'amenait dans les rues, il y avait des artisans, et j'ai toujours admiré ce travail-là. Il faut être très audacieux. Enfin, elle C'est a vrai que cette beaucoup. expression, l'intelligence de la main, c'est vraiment joli, Ah quoi. oui. L'intelligence de la main, c'est vraiment beau. Et ça, elle est reconnaissante, hein, vraiment du travail, la qualité et puis l'importance du travail qu'il y a dans chaque pièce, quoi. Parce que moi, bon, le Bettencourt, c'est vrai, les pyramides, mais chaque année, je vais au prix. Oui, Ah, vous y allez tous les ans au prix ah à Venise. oui. Ah, justement, j'allais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous y êtes allé en 2018, en septembre 2018, alors si vous avez gagné le prix en 2008, en 2010 avec Monsieur Lanor, c'était parce que tous les ans vous y êtes Et tous invité? les ans, on est invité. Et puis, D'accord. ils ont fait signer une charte. Ah bon, c'est-à-dire? Dans la mesure du possible, il faut être présent à tous À toutes les éditions. Donc tous à, les ans, vous les rencontrez prix. Les prix, tous les gagnants oui, bien avec vous, sûr, des bien sûr. autres. Et vous Et revoyez ça, Monsieur c'est bien. Lanor à Ça, cette c'est bien. occasion? Ah oui, ce revoilà. J'ai même vu Ronan l'année dernière. Pourquoi il a aussi gagné un prix de la Fondation Bettencourt? Non, mais Il était là. il était invité par les D'accord. amis. Ça se fait toujours à Venise? Non, pas à Venise. Là, c'était la fondation Michel-Ange, qui est l'équivalent de la fondation Bettencourt, mais en Italie, qui avait monté Homme Faber. C'était le Homme quoi? Homme Faber. Faber. Faber, Faber. D'accord. Je ne sais pas si ça signifie même. Je crois que c'est un nom de famille, Faber, non? Homme Faber, c'est. Ben, mais. Si sur les papiers, je l'ai marqué. Et ça, c'était une sacrée fondation. Et il a invité la fondation Bettencourt. Et la fondation Bettencourt, il a fait venir les lauréats de 2010, parce que D'accord. 2010, c'était la première édition. Ah, Nous, on l'avait waouh. fait la première avec les pyramides. Félicitations, de quelle première Et édition. là, on s'est retrouvés tous, on était vingtaine. Bon, les femmes, ils auraient pu venir, hein, mais pas avec. Là, on nous avait tout réservé, l'avion, tout. On était pris en charge à 100%. C'était vraiment Fabuleux. fabuleux, fabuleux. Fabuleux. Et avec qui vous avez préféré collaborer comme designer, Claude? Designer en Oui. tous. Oui, Vous, j'ai pas de. y a pas Ah de. oui. Vous avez tous aimé. Tous aimés. Bah, c'est vrai qu'on a plus ou moins, avec certains, on est lié par une amitié, après qui naît, que surtout lorsque on remet ça, quoi. On fait plusieurs travaux ensemble. Mais sinon, moi, tous. Moi, j'ai aucune. Moi, c'est un D'accord. plaisir de travailler, que ce soit avec Mathieu,
C'est des sacrés designers, Ah, hein, complètement. ça. C'est vraiment le haut du pavé au niveau du design, c'est clair. Est-ce que vous auriez des conseils pour un jeune qui souhaite se lancer justement dans le domaine de la céramique alliée avec le design? Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir certaines qualités pour pouvoir réussir dans ce domaine? Vous savez, Annabelle, en premier, il faut connaître le métier, Apprendre les bien, bases. bien, bien, bien connaître le métier. Donc ça, on fait ça aux Après, Beaux-Arts, on fait ça ici. faut rester humble D'accord. face à vous, parce que moi, une forme que j'ai jamais faite, je me pavane pas. Hein, Non, non. C'est comme il moi quand j'ai un faut. problème de droit, hein, au début, que c'est la Bah, première fois que je gère ce problème, je suis là, bon, mais attends, on va bien réfléchir, là. on est tous pareils. Hein, si tu ne peux pas s'asseoir, tu te dis, oh là là. Alors, des fois, à l'école, j'ai eu 4 ou 5 élèves qui se sont installés, artistes. D'accord. J'ai dit, attends, attends, attends. Artiste, ce n'est pas toi à le dire. On te le dit, c'était vraiment. Tu es reconnu par quelqu'un. Pas aller trop vite. Faut apprendre le métier. C'est pas parce que tu sais faire un petit bol comme ça que c'est pas le métier. C'est le métier, c'est quand il faut réfléchir. Surtout sous les pyramides, c'était à chaque phase de fabrication, il y avait une difficulté. À chaque phase. Même pour les emballer, il fallait tout calculer, tout. Mais c'est pour vous dire, Les alors, cauchemars. quand tu sors de là, j'étais lessivé, je dis, mais ça m'a fait plaisir, j'étais Après, c'était. heureux. Et regardez, vous avez eu deux prix quand même grâce à Ah ces pyramides au oui, j'ai Beaux-Arts. eu le prix Bettencourt, le prix Ça vous a augmenté la votre cote. Biennale. Incroyable. Après, j'ai la deuxième Biennale, c'est 2 ans après, je l'ai eue avec une fille de Lyon. J'ai fait La la biennale, ah, vous avez eu deux biennales de vous deux avez deux prix de biennales, la la biennale de finir. Berlin. Alors justement, moi je vais souvent au PAD, c'est-à-dire le pavillon à Art et Design, donc qui se trouve à Paris et à Londres, et aussi à d'autres manifestations artistiques telles que la FIAC Ah oui, sur la fière le Grand au Palais. Grand Palais. Et aussi la Paris Photo. Et alors, à ces occasions, je vois justement la Cité de la Céramique de Sèvres, qui De fait des Sèvres. belles pièces Ah et oui, qui a bien beaucoup sûr, bien collaboré, sûr. notamment avec justement Pierre Charpin, Ah Nathalie Grasset, oui, les designers Chapin, néo-zélandais. il a été travaillé beaucoup. Quelle est votre relation avec la Cité de la Céramique de Sèvres? Est-ce que vous en avez, ou c'est pas du tout le même C'est secteur, pas ou... la même chose. Hein, la porcelaine, Ah, c'est de la c'est porcelaine la qu'ils font. porcelaine hein, qui D'accord. travaille. Alors que vous travaillez essentiellement à la Mais terracotta? moi, je travaille plus la faïence. La Voilà, faïence, la faïence. C'est d'accord. pas. Si vous voulez, le geste est le même, C'est pas le même matériau. mais matériaux, c'est pas pareil. On D'accord. travaille avec la haute température. C'est une autre échelle, hein, Compris. c'est autre chose. Compris. Merci Mais de ça. m'expliquer. J'ai Mais pas vu quelle était la différence. moi, j'adorerais visiter. Souvent, je vois David Camillo qui dirigeait la manufacture de Sèvres. Il le sait, j'aimerais bien un jour visiter parce que travailler. C'est à Boulogne-Billancourt, à Sèvres, non, Ah pardon, à oui. Sèvres, et c'est très très beau. Ils ont notamment un magasin où ils vendent des pièces d'Ettore Sottsass ou d'autres Faire un designers qui sont tel très très belles. travail, c'est admirable. Ouais. C'est une école, c'est une école. Ben, notamment avec, oui, aussi un designer du japonais, ils ont fait des choses extrêmement belles. Oui, Tendo, oui, Tendo, quelque chose. oui. Ah, superbe, Et des nénuphars. Sottsass aussi, Sottsass. Sottsass, ouais, dans les années, la période Memphis, Sottsass, il a ouais. travaillé. Thank you for listening to our podcast, Lawfully Creative, produced by Crefervie Studios. Subscribe to our podcast or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you.